Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une recette de palette fumée aux légumes. Pour ce faire, j'aurai besoin, là j'ai une demi-palette fumée, 3 grosses pommes de terre, un gros navet, 7 ou 8 carottes, 2 feuilles de laurier, un oignon, 3 clous de girofle, du sel et du poivre. Donc je mets ma palette dans ma cocotte minute. Je la ferme et dès que ça sifflera, et dès que ça va siffler, je baisserai le feu et je mettrai à cuire une heure. Tous mes légumes sont prêts, un gros tronçon, les carottes, les pommes de terre, l'oignon piqué de 3 clous de girofle, mes 2 feuilles de laurier et mon navet. Ça s'est mis à siffler, j'ai baissé mon feu et j'ai mis 60 minutes. Voilà, l'heure est passée. J'ai passé ma cocotte minute sous l'eau froide. Ça a fait décompresser la cocotte. Et maintenant, je viens l'ouvrir. Voilà. Je vais y rajouter tous mes légumes. Voilà. Donc tous les légumes y sont. Là, je vais mettre un peu de sel, mais pas trop parce que la viande elle est déjà bien salée. Et un peu de poivre. Voilà, je referme ma cocotte minute. Et c'est reparti dès que ça sifflera une demi-heure. Les 30 minutes sont écoulées. Donc je vais ouvrir ma cocotte minute. Je mets de l'eau froide sur le couvercle. Et je vais attendre que ça décompresse. Voilà. Le couvercle est descendu. Ouvrir notre cocotte. Alors le bouillon, on peut le boire soit en entrée, soit le soir. Et là, je vais sortir la viande. Et tous mes légumes pour présenter à table. Voilà le plat à servir à table et le petit bouillon. Bon appétit.